BD. Ce mur. Ouais, allons voir. J'offre cet archive de notre civilisation à ceux qui nous succèdent. Malgré nos savoirs et nos avancées technologiques, nous allons disparaître. Le dogme nous a écartés de la voie de l'équilibre, et notre fierté nous a peu à peu corrompus. Notre quête de contrôle nous a menés à notre vie. Je mène ce qui reste de mon peuple vers le grand inconnu, en espérant que nous parvenions à y trouver la paix. Je les guiderai sur la voie de la Force. Maître Kestis. Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la Force? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis, vous pensez que l'Empire nous trouvera? Gal Kestis.
toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux. J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca. Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron ? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la Force sur cette liste. Sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trilla, je suis obstiné. Seren n'a donc rien appris. Ce n'était rien. Attention avec ça. Il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici, et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la Force soit avec toi. Maître, restez avec nous. Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller.
serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous, Itrilla, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre Locron. Je ne sais pas où elle l'a emmené. C'est entièrement ma faute si Trilla a suivi cette voie. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé. Nous devons de les assumer, préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse. Où ils traînent les Jedi. Et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. J'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irai. À genoux. Au nom du Conseil Jedi, et au nom de la Force, Cal Kestis. Debout, chevalier Jedi. Maintenant, tu es prêt. Tout comme vous. Vous avez dû passer beaucoup de temps isolés tous les deux sur cette planète. Il a dû partir juste après t'avoir activé. Est-ce que tu te rappelles la dernière chose que Cordova t'ait dite ? Bonne chance, Jedi. Que la Force soit avec toi. Le journal laissé pour Cal. Il n'y a rien d'autre ? On est arrivé. Attache-toi. C'est pas bon. Face à des défenses pareilles, nos stratégies de routine seront trop justes. Je connais un moyen. Que comptes-tu faire ? Un rituel, pour cacher votre vaisseau, si je peux. Un rituel ? Elle a du talent pour ce genre de choses. Quoi ? Oh, une petite minute, on se calme. Qu'est-ce que ça implique, ce rituel ? Un sacrifice. L'un de tes bras devrait me suffire. C'est une blague ! Ne sois pas si sérieux. Rejoins-moi à l'avant. Donnez-moi votre force. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Quoi qu'elle fasse, ça fonctionne. Quelles sont nos chances, selon toi ?
Je mise sur toi, petit gars. Allons-y, BD. Une fois à l'intérieur, je pourrai m'attaquer à leur défense, ainsi que saboter leur capteur pour que le Mantis puisse nous extraire. Toi, tu trouves l'holocron. On reste pas ensemble ? Je sens l'appel. La vie de chacun des enfants sur cette liste est en jeu. Quoi qu'il arrive là-bas et quoi que tu puisses voir, ne t'occupe pas de moi, d'accord ? Prends l'holocron et va-t'en. On est à la forteresse. C'est l'heure. De vous entendre, Zéré. J'ai localisé l'holocron. Je te communique sa position. Bien sûr, on se met en route. C'est verrouillé. T'en penses quoi ? Mal.
Tu ne peux pas fuir. Comme j'ai souffert. J'ai besoin d'aide, BD. Ça ne change strictement rien. Trilla, je sais tout ce que tu as traversé. Tu as connu une immense souffrance. Tu peux te délivrer de cette douleur. Délivrer ? C'est cette douleur qui me rend plus forte. Je savais que tu reviendrais pour ça. Pas de merci. Tu ne sortiras jamais de cet endroit vivant. L'holocron. C'est à moi de le faire. C'est fini, Trilla. Tu sais que rien n'est jamais vraiment ce combat-là est fini. Je connais cette noirceur qui te dévore de l'intérieur, mais chaque jour tu as le choix entre la nourrir et l'affronter. C'est trop tard, Céré. Non. C'est faux. Je sais que les choix que j'ai faits ont entièrement condamné ton avenir. Je t'ai abandonné, Trilla. Je t'ai abandonné. Et j'en suis vraiment désolée. J'ai eu tellement de haine envers toi.
m'avez déçu, Inquisitrice. Vengez les meurtres. Sache que tu te rendes. Ouais. Sûrement. Rends-toi. J'y arriverai. Serré. Je continuerai jusqu'au bout. Tiga, tu me reçois? Ils ne répondent pas. Ils vont bien. J'en suis certaine. Chris, je suis là. Je me dirige vers la surface. Prépare-toi. J'ai trouvé l'holocron. Mais Serré, elle ne reviendra pas à Gris. Serré? À l'holocron. Jamais je vous le donnerai. Nous verrons. Vous ne prendrez pas ces enfants. Tant de haine. Tu aurais fait une excellente inquisitrice. Elle est plus forte que ça. Non. Non. Oui. La puissance du côté obscur. Serré. Je peux la sentir affluer en elle. Serré. Serré. Hé. Écoutez-moi. Vous avez le choix. Thank you.
très bien. Ouais, toi aussi. Tu l'as fait. Oui. On a réussi. Vas-y doucement. Où elles sont? Elles sont là-bas. Oh, une petite minute. Oh. Désolée. C'était toi dans l'eau, pas vrai? Contente que tu ailles bien. Il ne t'a pas quitté un instant. Merci. Et maintenant? Eh bien, capitaine, tes services ne sont plus requis. Tu as bien rempli ton contrat. Merci, Chris. Eh ben, si ça te dérange pas, je pensais que je pouvais peut-être rester un peu dans le coin et piloter pour vous. En plus, je risque de manquer au petit. Que va-t-on en faire? On va s'en servir. Pour reformer l'Ordre Jedi. La nouvelle génération de Jedi. L'Empire voudra leur faire la peau, comme il essaie de le faire avec nous. Tous les enfants qui se trouvent sur cette liste verront leur existence bouleversée à jamais. Mais pas par nous. Leur avenir doit être confié à la Force. Alors, où allons-nous?